Bonjour, 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 Auria, bonjour Daniel, bonjour Gisèle, bisous, bisous à tous. Comment allez-vous? Je vais magnifiquement bien, j'espère que vous allez bien, je suis contente que vous soyez là. Bonne arrivée à tout le monde, Kadosh, Inelda, Andy, Constance, bonjour, on est déjà 300 et quelques, félicitations, bisous à vous. Partagez pour que les autres sachent qu'on est là. Bonjour Michel, Elvira, et dites-moi d'où est-ce que vous m'écrivez. Bonjour Sœur Ghislaine, comment tu vas? L'église des champions de mots. Bisous à toi. Bonjour Pereira, Adias, Keita. Bisous, bisous, bisous. Ève-Marie. Oh, aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Bonjour, coach Naomi. Je demande mille pardons. Je n'ai pas pu assister, mais je vais rattraper ça. Bonjour Anne. Bonjour ma chérie. Comment tu vas? Merci encore pour tout. Bonjour Pascaline. Faites un coucou aux autres. Partagez. Nous allons débuter notre merveilleux moment aujourd'hui. Donc, déjà, nous sommes 400. Je ne peux que commencer. Bisous encore à chacun de vous et n'oubliez pas de partager. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde parce que ben, ça prendrait du temps. Mais vous savez que vous êtes ici, là. Vous êtes dans mon cœur. Vraiment, merci à tout le monde. Donc, je me présente. Je suis coach Sonia, motivatrice chrétienne, passionnée de bouleversement de mentalité et mandatée pour accompagner ceux qui le veulent bien vers leur bonheur. Merci à tous ceux qui se sont inscrits sur ma page YouTube. Vraiment, vous êtes bénis de Dieu. J'ai publié il y a quelques jours une prière qui fait le tour. Et je suis choquée chaque fois des merveilles que le Seigneur est en train de faire. À l'instant, avant de venir me connecter, bonjour Nicole, bonjour Marthe. J'écoutais des témoignages. Il y a une dame qui me disait qu'elle ne sait pas, elle est musulmane. Dès qu'elle écoutait, elle s'est mise à vomir, à vomir, à vomir, à trembler. Et ça faisait des mois qu'elle ne dormait plus. Bonjour Aïcha, bisous à toi. Ça faisait des mois. Ah, bonjour à tous les Gabonais. Et yes, bravo à tous les lions indomptables du Cameroun. Vous nous avez fait honneur. I love you guys. Bravo, bravo pour tout le Cameroun. Yeah, toute l'Afrique. On a gagné. Félicitations à vous. Bonjour, Pascaline, depuis l'Allemagne. Alors, je dis vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette prière qui est en train de tourner. C'est magnifique. Pour le partage des vidéos et les témoignages des vies transformées, je ne peux que rendre gloire au Seigneur. Merci pour vos messages, merci pour vos prières, merci pour tout ce que vous faites, enfin d'être là sur cette page. Ah, félicitations Gisèle depuis Paris. Bisous à vous là-bas. J'arrive bientôt. La promotion pour les cours, elle est terminée. Celle qui était à 50 euros. Mais on a laissé une petite promotion encore continuer. On n'a pas remis à 125. On vous a laissé un peu protéger. Enfin, avancer. Hélène veut s'inscrire. Aïcha, il y a Hélène Comachette qui veut s'inscrire au programme Lay. Alors, merci à l'équipe Libre et Épanouie, aux assistants qui travaillent en backstage. Merci à Anne, merci à Anne Ankou, ma petite chérie. Merci à Aïcha Silla, ma grande chérie. Merci à Leslie Keita, la hyper grande chérie. Merci à tout le staff qui travaille derrière, aux enfants Mabiala. Merci à la famille Ogonga, à tout le monde pour votre amour et votre soutien. Et j'ai une pensée particulière pour tous les coachs, William Jamen, Bettina, Jules, Max, le coach Darcy, etc. En fait, tous les coach, on est ensemble, Barbara, Eliane, etc. Mbote, Nabino, Vote, Fifi, ça va. Bonjour donc à tous les coachs et à tous les serviteurs de Dieu véritables dans le Seigneur. Une pensée particulière à l'homme qui a impacté ma foi, au père de ma foi, William Nicholas Duncan. Bisous à vous. Le programme Lay commence aujourd'hui à l'intérieur. Merci beaucoup, Fadimatou. Nous aurons des lives sans tabou. Comme je l'ai dit, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Bonjour Marilyn, ça va? Il y aura des quiz, il y aura un travail en profondeur, vraiment un travail en trois dimensions. Et je prendrai le temps de répondre de façon personnalisée. Mais vous aurez le pasteur Karine Empat qui va s'occuper d'une manière particulière, intense, des personnes qui souffrent de la sorcellerie, des handicaps spirituels, de ceux qui ont besoin de délivrance. Nous allons vous accompagner là-bas. Nous aurons le pasteur Chobo, le mari de maman Ghislaine. Et lui, il nous parlera avec son épouse du secret d'un mariage réussi. Ce couple va vous enseigner comment. Depuis près de 25 ans, sinon plus, comment ils font pour rester amoureux l'un de l'autre? C'est pas parce qu'il est pasteur, mais il va parler d'une façon extraordinaire. Bonjour à tout le monde là-bas. Le pasteur Judica, lui, il interviendra pour vous parler à ceux qui ont perdu de l'espoir. Il vous dira ce que s'appelle la galère. La galère s'était installée en lui et comment il a fait pour s'en sortir et comment il est sorti de la galère pour aujourd'hui avoir un sourire de gloire. Bonjour à toi, Carole. Il y aura la sœur Olivia Nzanza qui parlera de la vie. De la prison, effectivement, prison physique, jusqu'à devenir vers la vie épanouie. On aura des cours de make-up, on aura le coach William, on aura la coach Leslie Keta qui nous parlera d'une femme chrétienne, comment est-ce qu'elle peut lancer son business. Nous aurons la coach Anne Anka qui parlera de comment perdre du poids pour une femme après une grossesse, celle qui a pris 30 kilos là.
On va vous montrer comment prendre soin de vous, comment perdre ces kilos. Bonjour Mireille. Mireille, j'avais cru comprendre que tu devais t'inscrire au LEI. Il y aura des thèmes sur l'éducation des enfants et vous aurez, il y aura une interview avec quelques-uns de mes enfants. Ils vont vous donner les secrets. Comment est-ce qu'ils ont fait pour rester dans le Seigneur en étant enfants de pasteur et tout? Et quelles sont leurs difficultés? Et comment est-ce que ce qu'il y a dans la tête des enfants, ce qu'ils attendent des parents? Donc, ça sera vraiment intense. On aura peut-être le prophète Ogonga, un homme qui parle de sortir de la religion comme personne. Donc, ça sera vraiment un programme extraordinaire. Il y aura encore d'autres invités. Merci à vous. Aujourd'hui, j'ai dit que je parle d'une exception. Répète, écris avec moi, je suis une exception. Je suis une exception. J'aimerais que tu comprennes que le message d'aujourd'hui, ce n'est pas pour te flatter. Honnêtement, les likes, c'est très bien, mais ça ne me donne absolument rien. J'ai été mandatée par celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui pour livrer le message que je vais te donner aujourd'hui. C'est un message, comme je dis, qui est apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. Et à ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie, si ce n'est que venir occuper la terre inutilement, comme je dis d'habitude, calé en l'air. Et je crois que ça sera le seul calage en l'air aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien partager pour inviter les autres et leur dire qu'aujourd'hui, il y a un message particulier? Je sais que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire parce que je vais partager avec vous d'autres choses qui vont vous impacter. Bonjour Magali, ça va? Il m'est arrivé une période dans ma vie où à cause d'un échec professionnel, j'avais changé de vision sur ma vie. J'avais changé de vision sur moi-même. J'avais mis ma foi et mon assurance dans un projet et ça n'avait pas marché. C'était, je crois, quatre ans. Et ça m'avait détruit. Cet échec-là m'avait cassé. C'était tellement choquant que pendant près de 6 mois, j'en avais perdu le sommeil. Écris avec moi, je suis une exception. On va aller en profondeur. Et j'avais pris cet échec-là comme vraiment, comme si moi-même j'étais un échec. J'avais pris cela de manière personnelle. Je me suis sentie rejetée parce que ce projet-là n'avait pas marché. J'avais postulé quelque part et puis ça n'avait pas marché. Je me suis sentie tellement blessée, tellement humiliée, rejetée et humiliée par les hommes et rejetée de Dieu. Je croyais que Dieu m'avait trahi. J'étais convaincue à cause de cet échec-là, malgré tout ce que j'avais accompli de bien et de sympa, j'étais convaincue que j'étais devenue nulle, que j'étais bête et nulle. Mon ego avait pris un tel sacré coup que j'avais décidé de démissionner de ma vie. Je ne voulais même plus entendre parler de Dieu et quoi que ce soit. C'était, je dis, il y a 4 ans. Je parle de ta côte, celle que tu vois aujourd'hui là, où tu ne peux même pas imaginer. Mais j'ai vécu ça. Et mais il faut que tu comprennes que pour que la vérité te rende libre, il te faut savoir que il y a des mensonges que tu as avalés et que tu dois choisir de t'en défaire. Je me suis trouvée comme dans la Bible, on parle de Gédéon. Gédéon, quelqu'un qui avait une grande destinée, mais qui choisissait de ne pas voir cette destinée. Il choisissait de se voir petit. Et dans le livre de Juges, pour ceux qui sont chrétiens, Juges chapitre 6, versets 11 à 17, vous l'entendez en train de se plaindre. Il dit ceci, il y a un ange qui se présente à Gédéon et puis on dit, oh salut à toi, vaillant, courageux guerrier. Et puis lui il dit, oh pardon, il ne savait même pas qu'il parlait avec un ange de Dieu. Il dit, pardon là, si Dieu était avec nous, pourquoi est-ce que tout ceci nous arrive? Il a expliqué tout ce qu'il vivait. Donc chaque année, les ennemis venaient piller les récoltes, venaient manger leur argent, venaient les détruire. Donc eux qu'on avait dit, le peuple choisi de Dieu, le peuple d'Israël, était obligé de se cacher et vivre dans les grottes. Les ennemis les affligeaient. Et puis donc on vient lui dire, oh salon, salutations, shalom mon frère. Il a dit, oh pardon, pardon là, si réellement Dieu était avec moi, pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Et puis il a dit, où sont tous les prodiges que nous ont raconté nos pères? On nous a dit que la mer rouge a été séparée, que le peuple dit de Dieu a traversé à sec. On nous a raconté ça. Mais il est où ce Dieu-là? Il dit, pourtant, hein, à ce moment, je vois que Dieu m'a laissé tomber. Il a laissé tomber mon village. Il a laissé tomber le peuple d'Israël. Et il nous a livrés entre les mains des ennemis. Je parlais comme lui. Oh my God! Et il a dit, je ne sais plus où aller. Il a dit que ce n'est pas possible, je t'en supplie mon sauveur. Comment peux-tu nous laisser tomber? Et puis l'ange de l'Éternel lui dit, va, tu es bien assez fort pour délivrer Israël de la main de Madian. Il dit, est-ce que tu sais à qui tu parles? Il dit, moi je suis petit. Ma famille est encore petite. Elle est la plus petite même du plus petit des villages. Et le village, c'est le plus petit des petits. C'est-à-dire qu'ils se voyaient comme rien. Et bien, j'étais arrivée à ce stade-là. J'étais arrivée à ce stade où je ne pouvais même pas imaginer que moi, j'étais une exception. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, moi, je pourrais te parler. Et Dieu a dit, je serai avec toi. Il a dit ça à Gédéon, va, tu vas aller, tu vas le battre, tu vas battre Madian. Il a dit, oh Dieu, si j'ai trouvé grâce devant ta face, fais quelque chose. Mon ami, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Moi, à cause de cette situation, à cause de cet échec-là, j'avais choisi d'être amère. Parce que tu sais quoi, on a toujours le choix de ce qu'on choisit, de ce qu'on a choisi de croire. J'ai
choisi de croire les méchancetés. J'ai choisi de m'asseoir dans les larmes au lieu de me battre. Et je me disais, mais si Dieu est avec moi, comment est-ce que je peux échouer? Comment est-ce que Dieu peut m'humilier publiquement comme ça? Pourquoi est-ce que le ciel au-dessus de moi est fermé? Comme toi, tu te dis. Pourquoi est-ce que quand je prie, j'ai l'impression que ma canguille est colo, donc c'est fermé, ça ne monte pas. Pourquoi est-ce que tout le monde réussit et pas moi? Je pleurais, je disais, c'est pas possible. Pour moi, rien ne marche, mais pour tout le monde, ça marche. Mensonge, qui t'a dit que pour tout le monde, ça marche? Est-ce que tu comprends? Je disais, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois échouer et les autres réussissent? Mais qui t'a dit que les autres réussissent? Mais j'étais dedans et j'étais en train de pleurer et je faisais le parallèle entre tous les échecs de ma famille. Et je me suis assise et puis j'ai dit, oui, dans ma famille, on souffre trop. J'étais malheureuse, j'étais déçue. Je disais, oui, dans ma famille, on souffre trop, c'est normal. La malédiction de mon père est sur moi, la malédiction de ma mère était sur moi. Donc, moi qui connaissais la parole de Dieu, moi qui tenais la Bible, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai choisi de croire effectivement que les femmes n'étaient pas nées pour réussir. Je vous parle d'il y a à peine 4 ans. J'ai choisi de croire, à cause de cet échec-là, qu'il n'y avait rien de bon en moi. J'ai choisi de croire que Dieu ne pouvait pas m'aimer. J'ai choisi de croire que j'étais née, moi, là, Sonia, pour accompagner les autres. Que ma main serait toujours en dessous des autres. Je croyais que j'allais toujours passer ma vie à quémander, à demander. J'ai dit, mais quelle est cette malédiction qui m'accompagne? Pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir? Pourquoi est-ce que la société peut dire, la société, ils m'ont refusé, moi, mon choc a été trop grand. Je ne dormais plus. Je prenais des antidépresseurs. Mon cœur, j'étais convaincue maintenant que mon cœur était fait pour être blessé par les hommes. J'étais convaincue effectivement que la place d'une femme, ce n'est pas dans la société pour bosser, pour réussir. Je croyais que c'était seulement dans un lit. Tout ça à cause d'un échec. J'ai choisi de croire ça. J'ai choisi de dire que la vie est juste et qu'elle ne méritait pas de vivre, d'être vécue. J'ai choisi de penser qu'il était meilleur pour moi de me suicider et que j'en parle. Je ne voulais plus me battre. J'ai choisi de croire que quel que soit le bienfait que j'ai fait dans les églises, auprès des gens, les amis, on me ferait toujours du mal. On va toujours me rendre du mal. J'ai choisi le suicide. J'ai choisi la dépression. J'ai choisi même les antidépresseurs. Est-ce que tu peux croire? J'ai dit, écris avec moi, je suis une exception. Je t'emmène quelque part. Mais au fond de moi, pendant que je croyais à tout ça, pendant que j'entendais tout ça là, il y avait une toute petite voix qui m'avait accompagnée depuis que j'étais née et qui me disait, c'est faux. Mais je ne voulais pas croire ça. Je disais, quand je regarde tout autour de moi, je ne peux pas croire que je suis, qu'il y aura quelque chose de bon. La voix du mensonge prend souvent l'ascenseur, mais la voix de la vérité prend les escaliers et elle finit toujours par arriver. Un jour, je pleurais et mon frère Valérie, mon regard m'a secoué. Il m'a dit, toi là, tu penses que Dieu te ressemble? Tu penses que Dieu est mauvais comme toi? Qui peut te mettre au monde pour te détruire? C'est la question que j'ai envie de te poser. Est-ce que toi, tu penses que Dieu t'a mis au monde pour te détruire? Si Dieu ne t'avait pas aimé, Sonia, depuis ta naissance, tu serais morte. Tu es en train de chasser des liens, les démons, les sorciers là. Mais si Dieu t'avait laissé, les sorciers là, même quand tu dors, ils te bouffaient. La main de Dieu est sur toi. Mais j'avais du mal. J'ai choisi de pleurer, de maudire le monde entier. Je ne voulais plus écouter la Bible. Je ne voulais plus écouter les gens. Je disais que Dieu est contre moi. Dieu m'a trahi. Il m'a fait honte au fond de ma déprime. Un jour, je suis allée voir le médecin. Le médecin me dit, madame, on a trouvé du pu dans ta tête. Bien, amis, faites attention. Aïe, aïe, aïe. On a trouvé du pu dans ta tête. On va te donner plein de médicaments. Et si au bout de 2 semaines, ces médicaments ne font rien dans ta vie, on va être obligé de rentrer. On va être obligé d'ouvrir la tête pour rentrer. J'étais au Burkina Faso. J'ai senti ma douleur. Le jour où le docteur m'a dit ça, j'étais avec un enfant. J'ai dit, vous dites quoi? Il a dit, nous sommes obligés de rentrer. Il y a du pu quelque part dans la tête là. Et c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile pour nous d'accéder. Donc déjà, moi, avec tous mes problèmes, mes pensées, mes dépressions, on vient te dire encore que non, toi, là, tu es malade. En plus de ça, là, il y a quelque chose dans ta tête. Il faut qu'on ouvre ta tête. Mettez-vous à ma place. J'étais malheureuse. Je ne pouvais pas monter des escaliers. Je m'essoufflais. Je ne pouvais pas manger. On me soulevait. Hey, je souffrais à l'intérieur et je souffrais à l'extérieur. La Bible me dégoûtait. Moi, je vous dis la vérité et je vous dirai toujours la vérité. La Bible me dégoûtait. Je ne prenais plus plaisir à entendre parler de Dieu. Quand mon mari ouvrait la bouche, dès qu'il parlait de la Bible, je dis, elle sort. Sors, je vous assure, oui, il disait tu es possédé, mais il ne savait pas qu'à l'intérieur il y avait d'autres possessions. Mon âme refusait même de croire que c'était possible pour moi. Et un jour, mes enfants se sont mis au salon, ils ont dit maman, on va prier pour toi. Ils m'ont mis au salon et puis ils se sont tous mis autour, ils étaient tout petits. Ils se sont mis à prier, à parler à leur Dieu pour leur maman. On me soulevait, je ne pouvais. J'ai souffert, bien aimé.
Je prenais des tonnes de médicaments. Moi qui prêchais l'évangile, moi qui annonçais l'évangile, moi qui disais aux autres, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. J'avais échoué professionnellement et j'avais échoué aussi au niveau médical. Qu'est-ce que j'allais dire? Je souffrais. Écris avec moi, je suis une exception. Je souffrais physiquement. Les médecins ont dit, madame, si on vous donne 2 semaines, il faut à tout prix que vous preniez ces médicaments parce que sinon, on va vous ouvrir la tête. Hey! On va ouvrir la tête. Je voyais déjà ma mort. Je voyais déjà mes enfants rester seuls. Les enfants priaient Dieu. Et pendant qu'ils priaient, j'étais en train de pleurer. Je disais, je ne veux plus te sentir Dieu. Mais à cause de la voix de mes enfants, sauve-moi. Bien-aimé, je ne pouvais même pas tenir la tête comme ça. Je souffrais. Je souffrais. Je souffrais. On me lavait. C'était pas facile. Mais au moment où les enfants ont commencé à prier, j'ai senti sur moi. Pas parce que j'avais prié, parce que je ne priais pas. J'étais fâchée contre Dieu. J'ai senti sur moi une pluie, comme si j'avais mangé le chewing-gum Hollywood tout autour de moi. Tout autour de moi. Oh my God, j'ai senti la présence de Dieu. Bien aimé, quand ils ont fini de prier, je pensais qu'il pleuvait sur moi. Et j'ai ouvert un œil. J'ai dit, mais il ne pleut pas dans la maison. Mais les enfants, comment ça se fait qu'il ne... Il n'y a rien. Puis, je voulais parler. Après, j'ai dit, non, je vais me taire. Et puis, j'ai dit, je veux monter. Après, je me suis sentie assez forte. J'ai dit, je vais prendre les escaliers. Bien-aimé, j'ai pris les escaliers. Les enfants étaient restés au salon avec leur père. J'ai pris les escaliers. Je n'étais pas essoufflée. J'ai pris les escaliers. Ça faisait 2 semaines que je ne pouvais pas marcher seule. J'ai pu prendre les escaliers. Je suis allée me coucher. J'ai dit, non, tu ne vas pas me dire qu'il y a eu un miracle. Bien-aimé, j'étais couchée. Jusqu'au matin, j'ai dormi comme rien. Quand je me suis levée, j'ai senti la paix de Dieu. Pas d'envie de ronfler, de vomir, ni quoi. J'ai dit, waouh, je ne vais pas prendre les médecins, les médicaments, je ne vais rien dire à mon mari. J'étais tranquille, j'étais simplement calme. Je disais, le Dieu du ciel me pardonne, le Dieu du ciel me pardonne. Parce que des enfants ont eu à cœur de prier. J'ai commencé à m'humilier devant Dieu et c'est là que j'ai entendu la voix qui m'a dit, arrête de t'auto-saboter, tu es une exception. Tu es une exception. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Parce que je passais mon temps à m'auto-saboter, à m'auto-critiquer, à rester dans ma zone de confort. Je prenais plaisir à me voir en victime. Mon ex m'a fait ceci, mon mari m'a fait cela, le docteur a dit ceci, l'entreprise a fait. Je prenais un malin plaisir à dire, oui, Dieu, tu as donné le meilleur aux autres, mais pas moi. Oh, bien-aimé, ce jour-là, quand je me suis levée, j'ai été complètement guérie. Quand j'ai mis tous les médicaments dans le carton et que je suis repartie voir le médecin, j'ai jeté ça sur la table du médecin. Le médecin me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, vous pouvez tout prendre. Je suis guérie. Il me dit, vous êtes guérie comment, madame? Ça, là, en général, en fait, ce que je vous ai donné, là, ce sont des placebos. C'est juste pour vous mentir un peu. Mais en vérité, on doit vous opérer. Bien aimé, quand il a ouvert le carton, il a vu que je n'avais presque pas pris les médicaments. Et puis, il a dit, on va faire des examens. Ils m'ont emmené dans cette salle pour faire les examens. Bien-aimé, je n'ai pas payé 1 franc. Le monsieur est en train de crier comme un fou. Mais comment vous avez fait? Il y avait du pu. Il a sorti les anciens. Il a appelé les autres. Il dit, comparons les radios. Ils ont fait les trucs des sinus. Les sinusites, il n'y avait rien. Le grand Dieu avait fait. Je suis tombée à genoux. Je suis rentrée à la maison avec ma fille. Ma fille me regardait. Elle pleurait. Elle disait, maman, pourquoi tu pleures? J'ai dit, parce que Dieu m'a dit que je suis une exception. C'est à ce moment-là que je me suis levée et que j'ai choisi de croire que j'étais la meilleure, pas à cause de moi, mais à cause de Dieu. J'ai choisi de croire que je suis ce que Dieu dit, peu importe mes échecs, peu importe ce que Dieu, les gens me font, peu importe ce que les gens veulent. J'ai choisi de croire que Dieu était avec moi. J'ai pu ce jour, j'ai dit, je suis une exception. J'ai changé ici, j'ai commencé à dire, je suis une exception. On parle d'une exception, pourquoi? Parce qu'il y a une exception à la règle qui est définie. Si dans ta famille, on dit que les femmes ne se marient pas, dis minus me. Moi et moi, faut dire sauf moi, je suis une exception. Je viens t'informer que tu es une exception. Je viens te dire, dis avec moi, sauf moi. Même si on a dit qu'on a maudit ta famille, dis avec moi, sauf moi, je suis une exception. Il a dit, sortez du milieu de, sors du milieu de leur malédiction. Sors de cette manière de penser. Lave-toi. Je suis l'éternel Dieu qui te sort de la boue, qui te sort de la poussière, afin que tu sois un témoignage d'exception. Tu es une exception. Dieu a dit que tu as du prix à ses yeux et que tu es honoré et qu'il t'aime. C'est ça la clé. La clé, c'est ça. Quand j'ai compris ça, quand j'ai tenu la Bible, j'ai dit, j'ai commencé à sauter comme une dingue sur mon lit. J'ai crié, je suis une exception. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Ce n'est pas moi qui, suis vraiment la valeur, mais Dieu en moi a mis de la valeur. Alléluia. Créature si merveilleuse. Depuis le sein de ma mère, Dieu me connaissait. Il a dit, depuis le sein de ta mère, je t'avais placé là. Il savait mes bêtises. Il savait que je ferais des bêtises. Il savait que je ferais des erreurs. Il savait que j'aurais des défauts. Mais il a dit que malgré tout ça, je suis
suis une créature si merveilleuse et qu'il m'aime. Donc, je suis une exception. Tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez dire, tant pis pour vous, mais moi, je suis une exception. J'ai choisi de croire ça. J'ai troqué, j'ai fait un échange. Au lieu de prendre ce que le monde me disait, que j'étais nulle parce que j'avais échoué, j'ai choisi de croire en Dieu qui a dit que je suis une exception. Et je suis une exception. J'ai choisi le quoi? J'aimerais que tu arrêtes de te dire aujourd'hui que tu es bête. Arrête de te dire aujourd'hui que tu es bête. Parce que tu sais quoi? Quand tu dis je suis bête, tu es en train de dire que Dieu est bête. Parce que je suis en hébreu veut dire le nom de Dieu. Tu es en train de dire que Dieu est bête. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Celui qui est en toi ne peut pas être bête. Celui qui est en toi ne peut pas être frappé. Celui qui est en toi ne peut pas être méprisé. Celui qui est en toi ne peut pas être sans vision. Celui qui est en toi ne peut pas se mettre à genoux devant un tocard, un maboule, une poubelle ambulante, un gars qui le tape. Dieu en moi, tu ne peux pas lever ta main pour me frapper. Dieu en moi, tu ne peux pas lever ta main pour me frapper, pour m'injurier. Because I know who I am. I am an exception. Je suis une exception. Je ne suis pas une personne habituelle. Dis avec moi, je ne suis pas une personne habituelle. Je ne suis pas ordinaire. Je constitue une exception. Je me distingue par mes qualités. Il y a des qualités en moi. Même si vous essayez de me faire croire que je suis la pire femme, j'aimerais vous dire que je suis une exception. Et je me distingue parce que le Dieu du ciel est en moi. Il m'a donné des mérites. Il m'a donné une valeur hors de l'ordinaire qu'un homme ne peut pas me donner, qu'un fiancé ne peut pas me donner, qu'un travail ne peut pas me donner. Vous pouvez tout me prendre, mais je demeure la fille de Dieu, le roi de rois. Je suis une exception. Tu es hors du commun. Tu es une femme de valeur. Tu ne peux pas comprendre qu'on ne peut pas te trouver dans la faute parce que tu sais qui tu es, parce que tu es une exception. On ne peut pas te trouver dans une double et fausse vie parce que tu es une exception. On ne peut pas te trouver dans la méchanceté, dans la jalousie, dans la calomnie parce que tu es une exception. On ne peut pas te tourner dans le racisme, le tribalisme, le vol parce que tu es une exception. On ne peut pas trouver parmi les gens qui mortifient les veuves, qui volent les biens de ceux-là. Une femme qui a souffert avec son mari, avec ses enfants, le mari meurt et vous venez vous piller, vous prenez tout. On ne peut pas te trouver dedans parce que tu es une exception. Tu n'es pas ordinaire. Tu réfléchis comme Dieu réfléchit. On ne peut pas te trouver dans l'escroquerie. On ne peut pas te trouver dans la polygamie. Excusez-moi, cher homme. On ne peut pas te trouver dans la polygamie parce qu'il n'y a aucune gloire dedans. Dieu n'est pas un polygame. Pourquoi serais-tu un polygame? On ne peut pas te trouver dans l'hypocrisie. On ne peut pas te trouver dans la sorcellerie. Tu ne rentres pas dans le moule habituel des femmes. Tu ne rentres pas dans le moule habituel des hommes. Les pasteurs qui parlent religieusement correct, moi je dis je suis unique. Les femmes de pasteurs qui parlent shabababa, qui disent comme ça, qui vont le chapeau calolé, c'est très bien, mais moi, très pour moi, parce que je suis unique. Je suis à ma façon. Je ne fais pas partie des femmes silencieuses. Donc j'ai ouvert ma bouche. Oui, j'ai ouvert ma gueule. J'ai ouvert ma belle gueule pour dire aux gens, ose être libre et épanouie. Et des femmes en milliers sont en train d'être libres et épanouies parce que j'ai cru que je suis une exception. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Arrête de courir comme tout le monde. Arrête de penser comme tout le monde. Arrête de croire à tout ce qu'ils ont dit. Arrête de vivre et de commencer à croquer la vie en pleine dent. N'entre pas dans le moule de toutes les femmes. Oh, une femme doit être ceci. Une femme doit se mettre dans un lit. Who cares? This is wrong. C'est faux. Est-ce que tu me comprends? Tu es une femme. Ose parce que le monde a besoin de toi. Dieu t'a mis au monde parce que tu as ton impact à faire. Tu es une exception. Je répète, tu es une exception. Mais j'ai dû croire. Je peux te dire, mais si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Est-ce que tu comprends? Parce que tu es noir, oui, tu es une exception. I don't need to be white. J'ai pas besoin d'être une blanche pour que vous m'aimiez. Est-ce que vous comprenez? Je suis une exception, même dans ma noirceur, là. Oh, le soleil m'a brûlé. Dieu a mis en moi un impact éternel. Je n'envie pas d'être blanche, d'être ceci, d'être cela. Je n'envie pas les autres. Je suis exactement comme je devais être, avec mes erreurs, mon passé, mon présent, mes défauts. Dieu a dit, tu es une exception. Tu es honorée, je t'aime. Oh my God, Dieu ne m'a pas appelé à être maltraité, à supporter en silence les tocards, disent un homme qui me flanque des coups de poing et qui me casse des dents parce que j'ai des enfants. Je mérite mieux. Dieu ne m'a pas appelé à être dans un foyer où c'est moi qui travaille et puis monsieur se tourne les pattes devant la télévision. Non, Dieu m'a appelé à mieux que ça. Je suis une exception. Est-ce que tu comprends? Peu importe ton passé, peu importe tes échecs, j'ai envie de te dire que tu mérites aussi le meilleur. Les échecs vont arriver, mais tu prends ces échecs et tu deviens la meilleure. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas ce genre de femme qui veut marcher 5 pas après un homme sous prétexte que parce que tu es un homme, parce que tu es un petit ange entre les gens. Je t'informe que je suis une exception. Tu n'es pas content, tu cales en l'air. Tu n'es pas content, passe ton chemin. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu m'as doté, cela ne te donne pas le droit de vie et de mort sur ma vie parce que je suis une exception. Tu ne me trouveras pas partout. Je suis une femme. Et tu es un homme. Je suis une femme et tu es une femme. Mais comprends très bien que la décision te revient à toi-même de changer ta vie. Tu as la clé parce que c'est toi qui choisis de croire ce que tu veux croire. Est-ce que tu comprends? Il est écrit dans la Bible que Dieu t'a fait un tout petit peu plus inférieur à lui.
Ça veut dire que tu es Dieu. Et il t'a couronné de gloire et de magnificence. Peu importe, même si les yeux des gens ne voient pas que tu as une couronne. Tu as une couronne. Tu es couronné de gloire et de magnificence. Et c'est pour ça que les hommes poubelles te cherchent. Ils veulent te souiller. C'est pour ça que ton mari est jaloux et cherche à te casser par des paroles douteuses qui va te prendre. Après moi, là. Après moi. Calons l'air. Tu n'as pas compris. I am an exception. Je suis une exception. Dieu a des projets de bonheur et de paix pour moi. Et si dans ma vie, au nom de Jésus, tu viens m'apporter de la tocardie, tu n'as pas compris que moi là, je suis une exception, une femme hors de l'ordinaire. Et parce qu'on est marié, tu viens me fatiguer avec tes infidélités, avec tes mensonges et tes insultes, tes coups de pied. Je te dis cale en l'air, je dis cale en l'air. C'est quoi cette histoire là? Les maris jaloux là, hein, qui cherchent à te casser. Oh non, tu ne dois pas travailler, tu dois rester devant la gazinière. Oui, toi reste devant la gazinière, mais moi j'ai été appelé à impacter le monde. Est-ce que tu comprends? Je suis hors de la loi commune, je suis exceptionnel. C'est-à-dire, je ne suis pas ordinaire. Ne me vois pas comme tu me vois. C'est comme ça que tu dois parler. Une femme exceptionnelle. Parce que je suis née de Dieu. Je ne suis pas née de la chair ni de l'esprit. Je ne suis pas née de tout ce que vous pensez. Je ne suis pas un produit de votre société. Parce qu'on vit en France, je suis français. Je viens du ciel. Beaucoup de gens m'écrivent chaque fois pour me dire mais elle là. La dernière fois, je disais venez voir notre soeur camerounaise, elle est là. Une autre fois, je vois une venez voir notre soeur congolaise, elle est là. Venez les Burkinais. Parce que j'ai compris que je viens du ciel. Je ne suis pas comme vous en train de dire, oui, je suis ici, je suis de là. Non, Dieu m'a appris que lui, il n'a aucune nationalité. Il est de partout. Je suis de partout. Je suis centrafricaine, je suis gabonaise, je suis de partout. Je suis même arabe, oui. Je suis une fille de Dieu parce que Dieu est tout. Et Dieu est une exception. Entre 1 million de femmes, tu verras que mon comportement va me distinguer. Et c'est ça, être une femme d'exception. Tu dois avoir des qualités rares. Une femme loyale, une femme vraie, pas hypocrite. Dans ta génération, Shabba, où les gens parlent. Les haineux, les hypocrites dans l'église, dans la société ou partout. On ne doit pas te trouver dedans. Tu dois être exceptionnellement intelligent. Même si tu as raté à des examens, ça ne veut pas dire que tu es fini. Tu sais ce que je veux dire? J'ai envie de te dire, choisis de croire. Choisis de croire en Dieu. Choisis de croire en Dieu et puis sache qui tu es. Tu comprends? J'ai envie de te dire que tu es admirable, ma soeur. Tu es admirable. Quand tu marches, on t'admire. C'est toi seul qui ne t'admire pas. Est-ce que tu ne comprends pas? Tu es une femme éminente. Tu es une femme étonnante. Étonne le diable. Étonne les gens qui ont mal parlé de toi. Étonne les gens qui t'ont maudit. Étonne les gens qui ont dit que tu ne mettras pas au monde. Étonne les gens qui ont dit que tes enfants sont des nuls. Étonne-les. Étonne-les. Tu es une femme appelée à faire des choses extraordinaires. Tu es une femme bizarre. Et tous les jours, quand les sorciers essayent de te bouffer là, ils n'arrivent pas à t'avoir parce que tu es exceptionnelle. Parce que tu as la main de Dieu sur toi. Parce que tu as l'exception, tu es parfaite. J'ai dit, tu es parfaite. Oui, malgré tes défauts, tu es parfaite. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Parce qu'il a vu que tu es parfaite. I need you to understand this. Tu es une femme extrêmement extraordinaire. Tu es bizarre, je l'ai dit. Moi, j'ai dit, et tu es privilégiée parce que tu entends ce message. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu es un diamant. Ne laisse aucun homme se permettre de baisser sa braguette. Il couche avec toi dans toutes les positions. Et puis après, il te parle. Non, non, cale-le en l'air. Oh my God. Et ne va pas me courir après les messieurs pour dire non, I need antidepressant. Parce que, because what j'ai dit, cale en l'air ces poubelles ambulantes. Quand tu sais qui tu es, when you know who you are, oh my Father in heaven. Oh, je suis une personne singulière. Je suis une femme supérieure. Je suis une femme surprenante. Je suis une femme rare. Je suis une femme remarquable. Quand tu sais que tu es comme ça, tu sais comment tu marches. Tu sais comment tu parles. Tu sais où tu vas. Est-ce que tu me comprends? Je suis rare. Dis avec moi, je suis rare. Tu ne me trouveras pas dans les choses bizarres. Tu ne me trouveras pas dans les choses ordinaires. Tu me trouveras dans ce qui est rare. Je suis rare. Je suis rare. Quand tu te lèves, le diable dit « Wow !» Les tocards s'étonnent de ton existence. Oh my Father in heaven. Tes ex, oh my God, ils te regrettent. Ceux-là qui t'avaient piétiné, ils commencent à dire, c'est de ça qu'il s'agit. Ton mari a peur, ta belle famille s'inquiète, tes enfants sont fiers, tes parents se félicitent de ta naissance. C'est de ça qu'il s'agit. Ta nation se dit heureuse que tu sois né sur le sol de ton pays. Le diable te piétine, mais relève-toi avec le sourire. Il te piétine, mais relève-toi avec le sourire. Tu n'as pas vu hier comment les Camerounais ont dribblé, jonglé? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es exceptionnel. Un homme unique et rare. Voilà ce que tu es, mon frère. Tu es différent dans tes principes. Un homme unique, un homme exceptionnel ne peut pas se livrer à une femme qu'il n'aime pas. Un homme exceptionnel ne peut pas baisser sa braguette pour coucher avec n'importe quelle femme en me disant l'eau sale peut éteindre n'importe quel feu. Même tu vaux beaucoup plus que ça. Un homme exceptionnel marche d'une façon différente. Il ne ressemble pas à tous les autres hommes parce qu'il est conscient de sa valeur. Il ne sortira pas avec d'autres femmes parce qu'il a de l'argent simplement. Il ne maltraitera pas sa femme. Il ne piétinera pas ses enfants.
Oh my Father in heaven. Si tu savais, oh my God, si tu savais, ma soeur, quelle était ta valeur, tu ne traînerais pas dans les draps de tous les hôtels avec les hommes mariés. Si tu savais qui tu étais, si tu savais que tu étais exceptionnel, tu protégerais ta vie et ta vertu. Tu protégerais ton avenir. Tu ne te laisserais pas aller au mensonge du diable. Tu saurais ce que tu veux et tu marcherais dans ce sens. Si tu savais qui tu étais, tu n'aurais pas peur de passer pour un faux gars en évitant de coucher avec les femmes tant que tu ne l'as pas marié. Tu serais un vrai gars. I'm done. J'ai fini. Wow. Tu es rare. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, j'avais dit, je ne sais pas, ça fait combien de minutes que je parle? Yeah, right. Peut-être que je vais prendre des questions. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, 30 minutes. Je vous donne 10 minutes pour me poser quelques questions. Je vous donne 10 minutes pour me poser quelques questions sur ce message ou un autre. 10 minutes maximum. Et je passe à autre chose, ok? Et on se retrouve, aujourd'hui c'est quoi, lundi? On se retrouvera vendredi à 13h. Tu vois beaucoup plus que ça. Pour ceux qui veulent encore aller à l'EI, le programme LEI, je dis ça là, ce n'est absolument rien, c'est là-bas que les vraies choses vont se passer. Non seulement je vais parler, je vais prier, je vais exhorter. Il faut être dans le programme. Contactez Anne Anka, contactez Aïcha Silla. C'est elle qui s'en occupe. La directrice de communication, elle fait autre chose. Si vous voulez beaucoup plus que ce que je vous donne ici, allez dans le groupe là pendant 5 mois. Nous allons travailler ici. Nous allons travailler ici. Nous allons travailler en 3 dimensions avec des personnes exceptionnelles. Nous allons vous accompagner. Est-ce que vous savez? Si vous n'avez pas de questions, je vais devoir vous laisser et vous dire que je vous aime. D'accord? Je vous aime. Si tu savais qui tu étais, le diable ne te piétinerait pas. Tu es courageuse. Ne te laisse pas aller. Ne laisse pas le diable te piétiner, t'emmener dans des choses fausses. Le problème se passait ici pour moi. J'avais un problème ici. Je choisissais de croire que j'étais une tocarde. Alors que Dieu avait prévu que moi, je sois celle qui allait délivrer ma famille, celle qui allait faire ceci, celle. Dieu a un grand projet pour toi. Et le diable, tout ce qu'il envoie dans ta vie, là, c'est pour t'emmener à te décourager, à ce que tu ne te lèves pas et que tu fasses plus que ça. Est-ce que tu comprends? Alors, ah ben merci. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous donne donc rendez-vous pour les autres. On se retrouve ce soir. Merci, papa. On se retrouve ce soir dans LEI, le groupe privé Facebook. Ceux qui veulent s'inscrire, venez vous inscrire, contactez-nous. Nous sommes là, venez en inbox, etc. Nous vous aimons. Oui, vous valez beaucoup. Moi, si j'étais vous, vous savez ce que j'allais faire? J'allais écrire. J'allais écrire quelque part vers mon miroir, dans ma douche. Je suis une exception. C'est-à-dire, dans toutes les malédictions de ta famille, là, on a dit chez vous, vous mourrez par diabète ou chez vous, vous faites ceci ou. Je dis minus me. Minus, c'est en anglais qui veut dire minus, sauf moi. Tu comprends? Il faut que tu aies ça enregistré dans ta tête. Quand les gens commencent à dire, les temps sont difficiles, il y a la conjoncture. Il faut dire, sauf moi. Et tu vas, sauf moi, je suis une exception. Il faut que ça sorte de votre bouche. J'ai réussi à vous emmener à dire. Cale en l'air. Vous le dites maintenant partout, il y a des délivrances. Maintenant, il faut pouvoir dire, je suis une exception. Dites, cale en l'air, je suis une exception. Cale en l'air, je suis une exception. Cale en l'air, je suis une exception. Je vous assure que la conférence que nous allons avoir à Abidjan, à Brazzaville et à Paris, ça va déchirer. Vous savez quoi? Je vous aime comme il n'y a pas de questions. We are together. I love you guys. Bye bye.